Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle émission, Les coulisses du voyage, qui aujourd'hui est consacrée à VIP Belgium, qui organise la semaine des Belges au Festival de Cannes. Alors pour ce, je reçois monsieur Alexandre Baudard-Pinto, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur de VIP Belgium. C'est exact. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer votre parcours pour commencer ? Alors, pour résumer, moi j'ai fait des études de marketing ici à Bruxelles. Oui. Durant mes études, j'ai commencé à organiser quelques soirées. Soirées qui ont pris de l'ampleur, qui se sont transformées en petits concerts, en dîners-spectacles et autres. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc après mes études, j'ai décidé d'organiser de plus en plus d'événements avec comme but d'ouvrir un établissement de nuit, en l'occurrence une discothèque. D'accord. Que j'ai réussi à faire et que j'ai tenu durant 2 ans et demi en région bruxelloise. Et je l'ai revendu fin 2007 avant de créer la nouvelle société VIP Belgium. D'accord. Donc vous n'en êtes pas à votre premier coup d'essai. Non, ça fait environ 6 à 7 ans que je suis dans l'événementiel. D'accord. Alors, le Festival de Cannes, quand a-t-il lieu ? Le festival a lieu du 13 au 24 mai. Mmh. Et notre formule à nous, notre formule de voyage, a lieu du 20 au 24 mai, voire du 20 au 25 pour ceux qui prolongent. D'accord. Alors, le festival, c'est vraiment un événement médiatique, mais médiatique à quel point ? Médiatique à quel point ? C'est-à-dire que c'est l'événement le plus médiatisé au monde après les Jeux Olympiques. Okay. Donc, je pense que ça représente quand même... un grand nombre d'audimates. Ça donne une bonne idée. Alors, est-ce que beaucoup de Belges se rendent au Festival de Cannes ? Est-ce que vous connaissez un peu les... Effectivement, il y a une grosse effervescence du nombre de Belges qui se rendent au festival, notamment via le nombre de réalisateurs en croissance, le nombre de réalisateurs belges, le nombre d'acteurs belges aussi, bien entendu, qui sont connus à l'étranger. Oui, oui. On en a de plus en plus, et donc c'est vrai que la Belgique est de plus en plus présentée au festival. Ouais. D'accord. Alors, comment vous est venue l'idée en fait d'organiser cette semaine belge au Festival de Cannes ? Alors, j'ai organisé un premier essai à Saint-Tropez, puisque, comme vous le savez sans doute, durant le 21 juillet, il y a énormément de Belges qui descendent sur Saint-Tropez pour faire la fête nationale. Et je me suis toujours dit que, en entendant le nombre de gens qui se plaignent de ne pas trouver d'hôtel, de ne pas pouvoir toujours accéder au nombre aux soirées, etc., je me suis dit pourquoi ne pas organiser un package complet qui regrouperait donc tout ça, hôtel, enfin logement, accès aux soirées, activités ludiques durant la journée. On a donc fait un premier essai à Saint-Tropez l'année passée en juillet, qui a très très bien fonctionné. Et donc je me suis dit, pourquoi pas Cannes ? Autant viser grand bien sûr, et y aller au maximum. Voilà. Et à Saint-Tropez, c'était la même configuration de projet que ce qui va se dérouler ici à Cannes ? C'était la même configuration, si ce n'est que c'était vraiment un test. Donc, je dirais que ça avait un petit peu moins d'ampleur. Oui. Là, sur Cannes, effectivement, on a rajouté pas mal d'événements, dont un événement qu'on organise nous-mêmes sur un yacht. Ok, on va en parler ici dans l'émission. Pas de souci. Alors, quel est le but principal de votre concept ici, de cette semaine à Cannes ? Notre but principal, tout en restant modeste, c'est évidemment de mettre la Belgique à l'honneur à l'étranger. Oui. Et ce, au travers diverses activités. Donc, c'est vraiment montrer que la Belgique peut faire la fête, qu'on peut se faire remarquer malgré le fait qu'on soit un tout petit pays. Voilà. C'est quand même des gens de qualité. Voilà, et qui aiment la bonne humeur. Et surtout montrer l'esprit festif des Belges, c'est ça. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous proposez justement lors de ce projet, lors de cette semaine à Cannes ? Qu'est-ce que vous allez y faire ? Combien de temps ça dure déjà, votre projet ? Alors, le projet dure du 20 au 24 mai, voire du 20 au 25. Donc, chaque soirée, il y a des activités de prévues. D'accord. Le 20 mai, on a une soirée donc, qu'on organise nous-mêmes sur un yacht. Oui. Le 21 mai, on a un drink dans la villa. Donc, il faut savoir qu'on a loué une grosse villa qui s'est intitulée Villa VIP Belgium, qui nous permettra de loger les différents guests qu'on invite aux soirées. D'accord. Les stars belges, etc., différents médias, le personnel, enfin, voilà. Oui. Le 21 mai, on a donc une activité de prévue là. Le 22, on a une soirée au VIP Room, célèbre discothèque qui est tenue par Jean Rock. Il faut savoir que le VIP Room sur Cannes, c'est vraiment une discothèque temporaire qui n'est uniquement présente que durant le festival. Là, il y a une grosse soirée de prévue le 22 qui est une soirée Chopard avec probablement un concert de Beyoncé. Waouh. Ouais, ils ont... C'est du lourd. Ils mettent le paquet. Le 23, on a une activité au Nikki Beach, Nikki Club, qui sont donc les deux établissements qui se complètent. Le 24, pour ceux qui le souhaitent, on a un accès au Grand Prix de Monaco sur le même yacht. Et le 25, c'est le retour malheureux en Belgique. Voilà. Quand même dans un beau pays. Oui, c'est clair. Alors, est-ce qu'on vit vraiment comme une star pendant ce séjour à Cannes ? On vit comme une star, oui, tout à fait. En tout cas, bon, les gens qui nous accompagnent ou qui participeront à notre formule
Leur but, c'est vraiment de leur vendre du rêve. C'est de leur dire, voilà, durant une semaine, vous êtes encadré, vous avez accès aux plus belles soirées, aux activités durant la journée et aux endroits vraiment de folie. D'accord, on côtoie les stars, les guests, les people. On côtoie les soirs, oui, bien sûr, bien sûr. Oui. C'est-à-dire que dans ce genre de club, effectivement, ben, le nombre de stars présentes est considérable. Donc, je me doute, et puis c'est aussi sans doute l'un des objectifs, des buts des participants, d'ailleurs, j'imagine. Ah oui, tout à fait, oui, tout à fait. Ben, nous-mêmes, on convie pas mal de stars à notre soirée du 20 mai. Ok. Et effectivement, bon, je pense que la les majorité… Les noms sont encore secrets de tous ces guests. On va les garder secrets parce qu'il est très difficile d'obtenir vraiment des confirmations. D'accord. Dans le sens où beaucoup se rajoutent en dernière minute. Donc, d'accord. On préfère garder la surprise au public. Alors, les personnes participantes à ce projet sont logées dans un hôtel au centre de Cannes, au centre du festival. Alors, est-ce que cet hôtel est vraiment un hôtel high-tech, design, moderne? Est-ce qu'il est nouveau? Combien d'étoiles comporte-t-il, etc. Mettez-en nous plein les yeux. L'hôtel est situé rue d'Antibes, qui est donc la principale rue commerçante de Cannes. Il est effectivement à 100 mètres de la Croisette. Oui. C'est un hôtel qui vient d'ouvrir en fin 2007. D'accord. Donc, il est vraiment très récent. Il a à peine un an, un peu plus d'un an. Au niveau high-tech, mais c'est clair que vous en doutez, tout est combiné pour que le client soit satisfait. C'est un hôtel 4 étoiles plus. 4 étoiles, oui. Donc, notre formule comprend bien entendu les petits déjeuners. Il y a un accès au spa, jacuzzi, hammam, sauna. La relaxation pendant le séjour. Alors, il y a aussi un avantage certain quand même quand on réserve son festival de Cannes chez vous, puisque apparemment, logiquement, on doit réserver 11 nuits d'hôtel quand on part au festival, et chez vous, pas. Tout à fait, tout à fait. En fait, c'est l'avantage qu'on a pu avoir en réservant un grand nombre de chambres, c'est de pouvoir limiter la durée du voyage à 5 nuits, au lieu effectivement des 11 nuits qui sont imposées durant le festival. Il faut savoir que, bien entendu, durant le festival, le prix des hôtels, vous en doutez, flambe. Explose. Voilà, même plus que flamber, c'est qu'il explose. Donc voilà, c'est effectivement un avantage que l'on peut permettre aux clients. D'accord. Pour le portefeuille de chaque participant. Voilà. Parce que loger 11 nuits, j'imagine, c'est un avantage. Alors, il y a aussi donc le fameux yacht dans lequel vous allez passer une soirée durant la semaine. Alors, il s'appelle le Warner Yacht, c'est ça ? Warren Yacht. Le Warren Yacht, pardon. Alors, pouvez-vous nous décrire ce bateau à qui il appartient ? Pourquoi celui-là ? Alors, le Warren Yacht, en fait, est géré par Warren de Radjevich, qui est un ancien Mister Europe 2005-2006. D'accord. Et qui a bénéficié de sa notoriété pour lancer un maximum d'activités dans l'événementiel. Et donc, ce que lui fait, c'est qu'il organise un yacht, enfin, qu'il organise plutôt divers événements sur un bateau, un yacht en l'occurrence, qui est amarré directement derrière le palais des festivals. Notre but à nous, c'est de représenter ces activités globales en Belgique, mais on l'a privatisé également donc, lors de la soirée du 20 mai, afin d'en faire vraiment la soirée entre guillemets des Belges, à savoir que bon, il y aura quand même d'autres participants que des Belges, mais le but étant vraiment de mettre la Belgique à l'honneur. À l'honneur. Voilà. Et sur ce yacht, que va-t-il s'y passer, à part le 20 mai où on a bien compris, ce sera la grosse soirée pendant votre festival de Cannes. Il va servir, j'imagine, pendant les autres jours. Tout à fait, oui, bien sûr. Je ne suis pas le seul, effectivement, à le privatiser. Chaque soir, il y aura des événements différents. En journée, il y a pas mal d'interviews de stars aussi, puisque le bateau, puis bien entendu, aller en baie et se positionner face aux plages, avec une petite navette donc, qui dépose les gens sur les plages et sur le yacht, vice-versa. Ok. Donc voilà, ça sera vraiment l'espace glamour du festival. D'accord. Et alors, quand on a envie de se reposer un peu, soit l'hôtel, soit la villa, qui sera également privatisée et plus calme, où on pourra sans doute côtoyer l'une ou l'autre star qui viendra se faire interviewer, j'imagine. Tout à fait, oui. Okay. Nous sommes présents sur Cannes du 9 au 30 mai dans la villa, avec comme but justement de pouvoir privatiser un espace un peu, comme vous venez de le dire, donc à l'abri des regards pour tout ce qui est interview de stars et autres. Parfait. Alors, en tout cas, je vous souhaite bonne chance, bonne continuation pour cette première au Festival de Cannes. Et est-ce que vous avez d'autres projets avec votre société ? Oui, bien sûr. Donc, on refait la Semaine des Belges à Saint-Tropez, toujours durant la période du 21 juillet. Ensuite, on a pas mal de city trips qui sont prévus durant toute l'année, aussi bien à Paris, Amsterdam et autres. Et on fait également la Semaine des Belges au Festival du film de Marrakech, qui lui a lieu début décembre. Très bien. Alors, est-ce que vous avez un site internet où l'on peut retrouver toutes les informations concernant vos projets ? Tout à fait. C'est le www.vipbelgium.be. Et vous retrouverez effectivement l'ensemble de nos activités. Très bien. Mais écoutez, monsieur, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui sur le plateau d'émission. Merci à vous de m'avoir invité. De rien, avec plaisir. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission, Les coulisses du voyage.